Brisé là. Oui, c'est normal. Je pense que je ressens beaucoup de tension, surtout ce soir. Lors du premier match à Buffalo, j'étais un peu plus relax que ce soir, alors je suis content que ça a débouché dans le deuxième. Quelle sorte de journée avez-vous passé? Est-ce que vraiment vous étiez tendu, nerveux? Bien, oui, parce qu'habituellement, lors d'une journée d'un match, je fais quand même beaucoup de choses. Je peux appeler la famille, puis parler soit à beaucoup de gens, mais aujourd'hui, j'ai dit à C'est ma femme spécial, hein? qu'il Est-ce n'était que pas vous avez question. dormi? Oui, j'ai dormi cet après-midi. On a des images, Denis, lorsque vous êtes arrivé au forum. On sentait là, que vous étiez très tendu quand vous êtes arrivé cet après-midi au forum. On va vous arriver. Oui, bah, c'est normal. Je pense que c'est mon premier match ici en uniforme du Canadien. Puis, on veut bien réussir. Puis, je sais quel échange que le Canadien a effectué durant l'été pour venir me chercher. On a donné beaucoup un peu de studios, alors. Et ça, c'est l'ovation, Denis. Je pense que ça, c'est spécial pour un joueur de hockey. Ah, c'est touchant. Je veux dire une chose. C'est spécial de porter l'uniforme puis de jouer ici devant nos partisans puis devant beaucoup de monde que je connais. C'est plaisant. C'était pas mal choyé ce soir. Est-ce que vous commenciez là, à avoir de l'attention là, en essayant là, de marquer justement le premier but pour briser la glace? Oui, puis pour être honnête avec vous autres, ici, je savais pas où j'étais pour lancer. Habituellement, j'ai l'idée faite avant que j'arrive en gardien. Et là, j'ai fait la dernière seconde, puis tant mieux, j'ai compté. Ça a enlevé beaucoup de tension, aucun doute. Et parce qu'après, vous avez produit un super jeu à la ligne bleue adverse qui a permis à Stéphane Richer de marquer le cinquième but. Donc là, on sent que toute cette pression-là avec le but est partie et disparue. Oui, je suis bien, c'est ça, certain. Là, c'est une période, puis je pense que l'important, c'est pas que Denis Savard soit bien dans sa peau, c'est l'équipe à gagner. Alors, on va essayer de donner tout ce qu'on peut le troisième Ces buts au cours d'une période, il y a longtemps qu'on a vu ça à vin. Montréal. C'est vraiment une image nouvelle que les Canadiens projettent. Bien, on espère que ça continue pas de façon-là, parce que, écoute, lorsque les Canadiens sont venus chercher mes services, ils ont dit, bon, on va se lancer plus à l'offensive, mais une chose qu'il faut pas oublier, c'est que la seule équipe offensive qui a gagné la Coupe Stanley, c'est les Oilers d'Edmonton. Auparavant, les Canadiens qui connaissaient des équipes très bonnes défensivement ont quand même gagné beaucoup de Coupe Stanley, beaucoup plus que les Oilers d'ailleurs. Alors, il faut quand même garder le jeu défensif. Un excellent mélange des deux, peut-être. Oui, exact. Denis Savard, merci. On espère que ce sera une excellente saison. Puis c'est la Merci. première d'une longue série d'entrevues. Merci, Denis. Merci bien. À bientôt. La soirée du hockey Molson se poursuit dans quelques instants en direct du Forum de Montréal.